Bonjour à tous et à toutes, je suis Arius et bienvenue pour enfin la suite de Breath of Fire 2, un jeu que je n'ai pas touché depuis presque 3 mois. Ça fait beaucoup, 3 mois. La dernière fois, pour ceux qui l'auraient oublié ou qui prennent la valise de la suite, vous savez ce qui s'est passé, ou qui ne savent pas où on en est, et moi parce que j'ai regardé la précédente vidéo que j'ai fait, nous nous sommes infiltrés dans les souvenirs de cet arbre vénérable pour savoir pourquoi il ne retrouvait pas sa mémoire. Nous avons battu un petit boss et nous avons un peu discuté avec lui, et maintenant on va avancer un peu dans le jeu. On va avancer un petit peu quand même, ce serait sympa. Et normalement, si tout va bien, alors oui, j'ai fait le tour de la carte en baleine pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Normalement, je pense que je dois aller au sud, hein, je suis pas sûr. Je pense que on doit aller au sud. J'estime que aussi on a fait tout le nord-est, on a fait tout le nord, on a fait tout le nord-ouest, il reste quasiment tout le sud à faire. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je me repère, que je sais où je dois aller, que faire quoi, pendant que je me fais aborder par des trucs, des vilours, des vilains ours, et que je bois un café, parce qu'il commence à faire frais en ces temps de automne. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous jouez un peu, que le confinement aussi se passe bien, que vous vivez bien, c'est le plus important. N'arrêtez pas de vivre. C'est le message fort de cette vidéo. N'arrêtez pas de vivre. Est-ce que c'est un message engagé? Aucune idée. Mais n'arrêtez pas. Et il faudra aussi que je prenne un petit peu plus de défense pour Nina, parce que... c'est pas que en un coup il y a 60% de ses points de vie qui partent, mais c'est le cas. Et aussi il faudra que je passe acheter du soin parce que je plais beaucoup de soins. Je me souviens que le combat de boss, le dernier, a été comme d'habitude un peu compliqué. Alors Michel, qui es-tu Michel? Comme vous pouvez le voir, le brouillard est très épais, ça va être impossible de le traverser. Ah, je me demande s'il s'est passé quelque chose à Tourciel. La Tourciel, si je me souviens bien, je l'ai déjà visitée, elle est sur la carte. Il y a un poisson volant. Il y a un poisson volant qui est là. Bon, écoute, petit éclair. Écran. C'est de la défense, ça. C'est de la défense, j'aime pas ça. Ça ne servait à rien. Je suis déjà à la tour ciel et j'ai pas tout bien compris ce qui s'était passé. Ah, le sort éclair est très efficace. J'ai entendu ça. Je sais pas ce que c'est comme truc. Et si je teste avec froid? Ah oui, d'accord, 71, très bien. Ok. Bon, je vais me téléporter grâce à Aspa, le sort en ville. On va aller à... Que je me souvienne... Société Origine Corsair à Gantz. Normalement, c'est là où il y a les... où il y a le magasin avec des armes assez chères, donc techniquement assez puissantes. Gagné. Alors Gantz... A priori, je dois y aller. Il y a un mec qui s'appelle Kalachnikov. Je vais profiter d'être à Gantz en même temps pour me soigner, acheter du soin. Et je ferai une petite ellipse pour acheter quelques petites choses d'équipement. Voilà. On se remet bien au niveau des soins. Ce sera déjà pas mal. Parfait. 18 soins. Is ok, selon moi. Normalement, je crois que c'est ici l'auberge. Bingo. On y va, tranquillou. Bienvenue, 50 balles. Is ok. Allez, go. Et maintenant, on va acheter de l'équipement et on va faire une petite ellipse. Hein, parce que je vous montrerai ce que j'ai mis sur les autres. Comme équipement. En attendant, à tout de suite. Bien, et ben j'ai fait quelques achats. Alors j'ai fait un achat pour chaque personnage. Pour Ryu, je lui ai pris
une épée. Voilà, alors là c'est la bronze épée contre la flamme épée, il y a un petit plus 25 de dégâts. Pour Nina, un mixte ML. Là franchement le petit c'est quoi, c'est 19. Petit 19 de défense qui fera pas mal du tout. Pareil pour notre cher Aspa. Et alors Aspa il était avec ce bouclier. Je pense que ce 19 de défense lui conviendra. Et pour l'end, ce sera un mixte BC. Et autant vous dire que plus 24 de défense, c'est pas mal. Je pense que actuellement, on est sur une très très bonne équipe. Je vais continuer avec cette équipe pendant un petit moment. Je vais quand même voir viteuf ce qu'il y a comme autre personnage. Ouais bon, Ekal, j'irai farmer avec lui plus tard. On va rester sur Aspa, Nina et Land. Hop, ça me convient. Et petite sauvegarde. Et nous allons nous diriger vers la tour ciel. Voilà, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Je pense qu'en anglais, ça doit être peut-être la Sky Tower. Hein. Parce que la traduction anglaise, vous savez, c'est pas compliqué du tout. Tous les jours, moi, je le fais. Alors, où je dois aller ? Une petite balade en baleine. Je crois qu'elle est tout en haut. Ouais, faut que j'en remonte pas mal. Donc on y va, tranquillement. J'espère que cette session va bien se passer. Je suis chaud. Je pense pas finir le jeu avant la fin de l'année. Peut-être début d'année prochaine, je ne sais pas encore. Ah bah elle est là. Ah bah elle est là. Ah bah ça allait vite. Et ben c'est ici, la Sky Tower, normalement, c'est celle-là. Tour ciel, impeccable. La tour ciel, je crois que j'y suis allé viteuf et je ne sais plus ce qui s'est passé. Ah, c'est un tour ciel que le temps du monde entier est contrôlé. Ah, me demandez pas pourquoi je fais un accent, c'est un poisson. Nous extrayons les pierres précieuses d'ici et nous les vendons. Très bien, ok. Copain. Alors il n'y a plus de brouillard. Il y a plus de brouillard. Quelque chose s'est probablement dérivé dans cette tour. C'est ce que vous voulez vérifier, hein? Très bien. Ah, voulez-vous entrer? Oui. Hein? Quoi? J'aime pas ça. J'aime pas du tout ce qui va se passer. J'aime pas du tout ce qui va se passer, je le dis. Il y a un chrono. Pourquoi il y a un chrono? Au secours. Alors, il y a un endroit avec de l'air. Vous devez prendre une respiration là-bas. Oh là 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 là, c'est fort boyard, c'est fort boyard. Il y a des endroits où l'eau s'écoule très rapidement, alors soyez prudent. J'aime pas beaucoup ça. Toi, tu m'as dit que c'était où? Il y a un endroit avec de l'air, ok. Ok. Bon, au moins, quand je parle, le temps s'arrête. Je fais quoi? C'est ici. Dis-moi que c'est ici. Putain, je sais plus où c'est. C'est ici. Là, il y a un escalier. C'est ici. Ah oui. Ok. Ah! C'est un labyrinthe. Bon bah qui dit labyrinthe dit bah je vais explorer un petit peu partout. Ok, donc nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler un fort boyard de l'ennui. Je suppose donc qu'il n'y a pas ou peu de combats. 1000 balles, parfait. Bon, et bah écoutez, je pense que c'est bien ça. Et là ils me disent que je suis où? Oui, tour ciel, non, ok. Ça se trouve c'est juste un petit dérèglement, on va y aller, puis à la fin, ah mon dieu, il y a un... Oula, oula. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue à l'armurerie. Il y a une armurerie. Oh, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces... Un casque, un écran. Attends, déjà, il y a des trucs. Une rapière, ok, c'est pour Aspa. Un arc, c'est pour Botch. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a des trucs comme ça. Ah merde. Oh là là. Ah d'accord, c'est automatique, ok. Oh non. Ah, faut que j'aille vite. Oh là là, mais c'est casse-gueule leur truc. Allez, faut pas s'arrêter. Il y a un combat, je rêve. Le combat est pas minuté. Non, il est pas minuté, faites qu'il est pas minuté. Putain, si, il est minuté. Il est minuté, mais il passe très lentement. Et ça, c'est pas une super idée, les mecs. 152 dégâts avec ma nouvelle épée. Impec, je vois aucun problème. Ah, 52. Ah, la défense, pas mal la défense.
Il y a des combats minutés dans l'eau, mais jamais vous faites ça, les gars. Pardon. Allez crever. Allez mourir. Allez mourir vite. Hein. Cordialement. N'importe quoi, ce qui vient d'arriver. Mais quoi? Mais encore. Bon, bah, la tour ciel, hein. Bel endroit, j'aime beaucoup. Franchement, le fun. Heureusement que j'ai sauvegardé. Oh, c'est sérieux. Oh, c'est sérieux. Ok, bon, pas le temps de réfléchir. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de réfléchir. Essayons de trouver un sort. Et l'un de taper un sort, un éclair, parfait. Il n'y a que l'épée qui fonctionne. Je déteste ce combat. Officiel. Officiel. Bon, je vais quand même aller essayer d'aller un poil plus loin. Ok. Bon, là, il n'y a rien. Là, un couloir. Un mec. Il n'y a pas l'air ici. Si vous voulez revenir en arrière, c'est maintenant ou jamais. Bon, bah... J'ai un membre qui est mort, donc je vais éviter. J'ai pas envie. Je vais devoir faire une ellipse encore. Ah, j'aime beaucoup. Ah, il y a un petit problème sur la hitbox de ceci. Voulez-vous quitter la tour? Ouais. Alors, il y a un truc qui est dangereux avec cette chose, monsieur, dame. C'est quand même que... la pression, niveau pression atmosphérique, comment ça se passe? Parce que ça m'a l'air un petit peu dangereux, votre truc. Bon. On va faire un petit aller-retour pour soigner notre chère Nina. Un endroit où je peux dormir. Voilà, par exemple, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Eh ben, je suis pas très loin d'un petit feu de camp qui est normalement juste en bas. C'est parfait. Mais waouh, c'est vénère ce qui se passe. Un petit peu vénère, ouais. J'aime pas bien ça quand c'est vénère. Donc il faudra que je fasse un petit peu d'argent quand même, encore une fois. Pour un petit peu plus... Non, je veux pas du tout sauvegarder, j'ai rien... Non, sûrement pas. Alors par contre... Si en bas à gauche, il n'y a plus d'air, qu'est-ce qu'il y a en haut à gauche? Je pose les vraies questions, messieurs, dames. Monsieur Bourdin... Je pose des questions aux Français. Qu'y a-t-il en haut à gauche? Bon, c'est la seule fois où je vous montrerai les allers-retours. Hein. Si jamais je dois en faire d'autres, je coupe. Vous en faites pas. Je tiens à mon public et à mon watch time. LOL, c'est faux. MDR, c'est n'importe quoi. Allez, on y retourne, encore une fois. Ça va être bien. Je vous assure, ça va être bien. Allez. Oui, je veux descendre. Enfin, je veux entrer, je veux mourir. Donc, on est sur 3 minutes IRL pour la tour, mais les combats, ça doit être peut-être divisé par deux le temps. C'est tant mieux. C'est vraiment tant mieux parce que, bon,
J'ai pas très envie, moi, de mourir. Ah, mais y a un truc en bas, là. Y a une porte. Et quoi, là? Y avait pas un coffre? Si, y avait un coffre. Je sais plus où j'étais. C'est génial. J'aime beaucoup. Hop, escalier. Et ici, il y a quelque chose. Ah bah, il y avait un coffre que j'avais pas pris. J'ai bien fait de revenir. Et il y a un autre chemin. J'ai un cran bleu. Un cran bleu. Qu'est-ce que c'est un cran bleu? Alors, un cran bleu, c'est pas pour ça. Si j'ai directement dans l'objet, hein. Un cran bleu, c'est... Oh, c'est un objet qui augmente le courage. C'est... cool. Mettre un peu d'or. C'est très sympa, cet objet. Pourquoi pas? Alors, qui c'est que j'ai, là? Ah, j'en ai deux. Bon, alors, je ne vais pas réfléchir. Hein, j'ai quand même des sorts là-dessus. Sur ce personnage. Autant les utiliser. Les landes. Ouais, landes. Petit éclair. Bon, moitié de dégâts. Ça va. Je le prends bien. Ne vous inquiétez pas. Et ben voilà. Des sorts d'éclair. Très bien. C'est ça que je veux. Fallait me le dire avant. Bon bah Nina, ah, Aspa 22. Et de... tu l'as pas déjà ce sort? Oh, attendez. Mais il n'avait pas déjà ce sort? Il avait... Ah non, il avait pompe. Pompe et drainer. Ok, c'est différent. Ça n'a pas la même utilisation. Là, je monte. Encore. Ok. Donc là, on est d'accord que je... Oh là là. Ah ouais, alors par contre, il y a un problème au niveau des hitbox. La ROM est pas ouf à ce niveau-là. Ah ouais, mais la ROM, elle fait... Oula, alors je vous cache pas que ça va être compliqué à ce niveau-là. Là, par contre, ça va être très très complexe. Je crois que la ROM est un poil mal codée. Voilà ce que c'est de jouer avec les ROM, comme diraient certains. Hop, Aspa, et voilà. Je pense que... On est défense plus X. Ah bon? Ah, on est à ce niveau-là de difficulté maintenant. Très bien. Très très bien. Moi, j'accepte. Moi, je dis plus rien. Moi, je dis plus rien, de toute façon. Ah, l'aiguille. Petite résistance à la... à l'électrique. Oh, jolie esquive. Alors, il y a un truc dangereux que je suis en train de faire là, par contre. Putain, 4000 d'XP, c'est quand même pas... Il y a un truc ultra dangereux que je suis en train de faire, par contre, avec Nina, c'est qu'elle a pas tous ses points de vie. Du coup... Hop là. Alors, je vais abandonner l'escalier pour le moment. Je vais essayer de le prendre. Ah ouais, non, mais il y a un problème de ROM. What the fuck? Alors, je suis dans les algues. Je suis devenu une algue. Me demandez pas comment ni pourquoi, je suis une algue. Et dans ces algues, il y a des cactus. Non, c'est faux. Alors. Bon, et ben on va tout mettre sur le Tidarius. Sachant que l'éclair, il va se le prendre, mais les ammonica... Ah non, oui si, Ammonica est deuxième. Elles ne craignent que les armes tranchantes. Et pas épées. C'est armes tranchantes le bon mot. Donc du coup, on va partir là-dessus. Pour le moment, tout le monde va mettre le T sur le Tidarius. 558, bien sûr. Tout à fait. Quand vous voulez. Tout le temps. Mais vraiment tout le temps, allez-y. Moi je dis rien. Moi je dis plus rien. Quoique, je vais quand même faire un petit soin. T'as pas de soin? Ah, c'est con la vie. Bah tu vas attaquer.
Aspa, par contre, il a un petit soin. Il a que du soin 1. Et ben, un soin 1. Toujours ça. Mais c'est pas lui qui attaque en premier. Parce qu'il a pas assez de vitesse. C'est Nina. Ah bah. Va y avoir un mort. Non. C'est Aspa qui va mourir, peut-être. Aspa qui résiste. Aspa résiste. Je prouve qu'il existe. C'est beau. C'est très très beau. Très très beau ce qui se passe devant nos yeux. Bon, on va faire du soin après. Glace air. Qu'est-ce que c'est glace air? C'est un objet de combat sûrement. Oh, je drop une armure. Sans deck. Ah ouais, puis pas une petite armure là. Alors, attends, pas pour elle. Pas... Ah ouais, donc c'est pour Ryu. Une armure de glace. Alors ça... Ça, c'est pas de la merde ce que j'ai drop. Bon, par contre, l'armure magma, on verra après. C'est pas... Ouais, c'est bien ça. Ce petit drop, il fait plaisir. Bon, revenons là. Ah, alors il y a un petit... ouais. Alors là, je vais essayer de casser la ROM. Est-ce que je vais y arriver? Oui, non, presque. Je suis allé un petit peu trop loin. Ouais. Ah, alors que je trouve glace baissée. Glace armure, encore une fois. Glace baissée, glace armure. Et Nord DG. Et pas Nord VPN. On fait les jeux de mots qu'on peut. Alors du coup, j'ai un couteau et un bouclier protecteur. Le couteau, ça ira directement à Sten. Le bouclier, je vais voir qui veut le mettre. Et le glaceur, on verra bien. Niveau défense, je pense que je suis pas mal. Du tout. Qui peut prendre ce bouclier? Qui peut prendre ce bouclier? Et bah, personne à part Ryu, encore une fois. Ça, c'est con quand même de se dire que j'ai acheté un bouclier un point de meilleur. C'est pas grave. On continue, il me reste une minute 20 d'oxygène, ça commence à être tendu. Est-ce que quand même je peux faire une sortie? C'est qui a sorti? Non, je ne peux pas sortir. Bon bah si je meurs, dites à ma famille que je les aime. Oh putain. Oh wait. Oh, je viens de faire tout un chemin optionnel pour une fusion. Ça c'est cool. Alors ça c'est très cool. Quoi? Vous? Hein? Ah, vous êtes venu arrêter le brouillard? Je suis désolé. Je suis le chaman du vent. Je m'ennuyais alors j'ai fait souffler le brouillard ici et là. Mais si cela vous ennuie, je vais l'arrêter maintenant. Hein. Bien, je ferais mieux de retourner voir mamie. Oh là là. Oh là là. Alors ça, c'est très très cool ce qui vient de se passer. Non seulement j'ai résolu un mystère de la Sky Tower, mais en plus, j'ai récupéré un chaman. Les chamans... Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai découvert un peu avant le dernier épisode, donc épisode 20. Ça sert à faire des fusions pour les personnages. Là, j'ai le chaman du feu, j'ai le chaman du vent, je dois en avoir un troisième. Et en tout, il doit y en avoir 5 ou 6. Donc là, j'ai fait tout un chemin vraiment optionnel pour ça. Donc j'ai fait une moitié de Sky Tower. Peut-être que tout va bien se passer pour cette session et que je vais quand même avancer comme il faut en récupérant l'XP. Parce que faut pas déconner. Et non, ce... Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est... Orage. Cette session se passe bien. Pour le moment. Si je meurs par contre, ça se passe très très mal. Mais ça va, j'ai récupéré pas mal d'équipements qui pourront être utiles sur d'autres personnes. Ok, ça c'est fait. Et je suis à quoi? Je suis à... Pas encore une demi-heure. Enregistrement. Est-ce que je peux... Ouais. Ah, c'est tout décalé d'un cul. Ok, en fait c'est la ROM, enfin le cercle il a dû être décalé de une ou deux cases par rapport à d'habitude.
Ce qui est pas une très bonne chose. Bon, petit problème de RAM, moi j'accepte. Donc là, c'était tout ce qui était au nord-ouest, techniquement, vu qu'on a pris l'escalier au nord-ouest de notre position. Non, Ryu, mon petit Ryu. Voilà. Bon, Nina, quand même, la petite résistance. Résiste un poil mieux. Oh, gros dégâts quand même. Gros dégâts de l'aiguille. J'aime pas bien ça quand ça fait des gros dégâts comme ça. Ah, puis c'est le c'est eux qui ont l'avantage sur la vitesse. Ah. Pas ouf. Pas ouf du tout. Ah, ça va bien se passer, je m'en fais pas. Faudrait que je trouve une nouvelle arme par contre pour tout le monde. Parce que Ryu il est un peu pété. Mais un peu quoi. Et eux ils sont pas ouf. Pas glorieux au niveau des gars. Est-ce que je prends le risque de faire en bas? Je vais pas prendre le risque, je vais faire une ellipse, hein, la fameuse ellipse qu'on aime tous, pour me soigner, sauvegarder et revenir. Du coup, attention, ellipse 3, 2, 1, paf! Incroyable transition, vous n'avez rien vu. C'est fou ce qu'on peut faire avec le montage. C'est incroyable même, c'est la magie. C'est fou. Ah, ça me... Ah, ça me fait quelque chose. Allez, on y va, on y croit, en espérant que tout se passe bien. Ok, allez, hop. Hop, hop, ok, c'est bon. Premier passage, un peu complexe qui est passé. Alors là, il n'y a plus d'air, ok, je m'en fiche. Moi j'y vais, je suis un ouf que non. Oh, il faut que je sache où je suis. Alors attends, ok, je me vois. Je vais aller à la porte. Ouh, y'a rien, très bien, y'a pas d'eau. Alors, il faut que je sache à chaque fois où je me trouve. Là on est dans où est Charlie. Ok. Ok, ok, là il se passe quoi? Il se passe que... Oh, je m'ai fait avoir. Je me suis fait avoir. C'est le piège, j'avais oublié. Ok, alors, ok, si je vais par là, hop, ici. Ok, ok, et ensuite, si je vais, et j'ai un combat. Oh, ça se passait super bien. Ça a tout se passé au poil de fion, et c'est pas passé. Décevant, déçu. Non, oh, ce petit coup fort. Oh, tu me le fais quand tu veux, Nina. Tu me le refais tous les... Moi, je suis d'accord pour que tu me le fasses tous les jours. T'as 3200 quand même, ça fait 1600 par aiguille. Alors, la première porte, petit coffre, parfait. Une épée à Shula. Oh. Oui, excusez-moi, je me suis fait interrompre. Donc, une épée à Shura. Équipement. Oh. Ouf. Ouh. Petit 180 de dégâts. Ah, ça fait... Petit effet. Il faut que je soigne des gens. Il faut que je soigne des gens. Donc, c'est Lan qui va s'en charger. Puis voilà, c'est tout. Ah, le petit 180... Ah, il faut que je recommence tout. Ça va être très énervant. Oh, il y a un coffre au bout. Allez. Allez. Esprit RB. Allez. On y croit. Je peux le faire. Je peux le faire. Si tout va bien.
Si tout va mal, c'est quoi cette merde encore? Oh, ça m'énerve quand je connais pas. Ah bah les petits vents dans mes dents. Moi j'y crois, je pense que ça va le faire. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Franchement, ça va le faire. Allez. Vent 2. Ah c'est un vent 2. Ah non c'est un vent 1 qui m'a fait. Et là c'est un vent 2 pour tous. Aïe, 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 aïe. Is ok. Il résiste, il prouve qu'il existe. Hop là. Alors attendez. Toc toc toc. Cet objet. Je regarde. Une armure protectrice. Et eh ben si c'est encore pour Ryu, parce que Ryu peut tout mettre. Non, on va mettre ça sur quelqu'un d'autre. Non. Toujours pas. Ah, pour l'end. Un petit peu de défense en plus pour l'end. Fait pas de mal. Ça allait vite. J'ai oublié de me soigner. On va utiliser la magie, la magie, la magie de toi. Parce que pas besoin de se transformer en dragon. Impeccable. Bon, là en haut. Hein, je fais le fou. Je fais le fou. Ouais, d'accord qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a jamais eu rien. Ah, on est passé sous la minute. On est passé sous la minute de respiration. C'est le stress qui augmente. Donc là, faut que je me bouge. On est pas... Oh non, le point de vie. Là, il y a le stress qui commence à grandir. Autant vous dire que... Ah! Vite! Ah la vache, j'aime pas ça. J'ai fait le fou. J'ai fait le fou pour rien. Au secours! Help! Ah bah là, niveau 23, ouais. Ah, si. Allez. Allez, allez, on remonte. 40 secondes, c'est jouable 40 secondes, c'est franchement jouable. Si j'ai aucun combat, ça le fait. C'est bon, is ok, terminé. Allez hop, on remonte. Ben voilà. Impeccable. Et ben écoutez, je pense que cette session va s'arrêter là pour cet épisode. Franchement, ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup d'objets. Non, pas ça. Usage. Franchement, j'ai ramassé énormément d'objets. Pas trop de soins comparé à d'habitude. Des armes, des armures, en veux-tu, en voilà, qui vont servir à tout le monde. Donc je vais sûrement pexer un peu. Mais franchement, ça s'est bien passé. Du coup, je vais aller me reposer, me soigner. Et la prochaine fois, eh ben, on va se retrouver dans le canyon qui sera l'objet d'un prochain épisode. En tout cas, je vous remercie encore une fois, et toujours d'ailleurs, d'avoir suivi cette vidéo sur Breath of Fire 2, cette session qui a été assez rapide. Ça va être cuté. Mais je m'en excuse, mais, ça, mais c'est le cas. N'oubliez pas tout ce qui est pouce bleu, abonnement, si jamais vous voulez la suite des vidéos. Une vidéo par semaine, tous les mercredis 15h30, c'est le rendez-vous. Des fois les petits bonus, mais je préviens ça sur Twitter. J'ai un Twitter, un Instagram où je raconte ma vie quand même, parce que c'est important de raconter sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.